Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Celles qui étaient insensées avaient pris leur lampe sans apporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Celles qui étaient insensées demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais, car cela ne suffira pas pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elle allait en acheter, le coup arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veuillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Celles qui étaient les prévoyantes, ce sont celles qui marchent
avec la parole de Dieu, qui la reçoivent et qui laissent cette parole les transformer. Cette parole est vie en elle. Et ça leur arrive. Il n'y a pas de surprise. Sommes-nous réels, sommes-nous transparents. La parole que tous les dimanches nous venons avec le Père Jean-Pierre, est-ce que nous la recevons? Est-ce qu'elle nous mortifie? Elle nous transforme? Comment recevons-nous la parole de Dieu? Comme une parole, un beau message, par une oreille et l'autre. Bien-aimé Seigneur, le temps est pressant et nous devons prendre une décision. On passe de veiller en veiller. Je vois dans la salle des gens qui étaient avec moi samedi dernier à Burlington, dans le cas aussi d'une envoyée funèbre. Aujourd'hui encore, il y a deux. Il y avait une à Burlington et une à Noua. Et aujourd'hui, ne pas avoir deux, mais il y a une qui est annulée à cause du temps. Nul ne sait le jour. Il n'y a pas longtemps, j'étais chez un ami, son vieux frère aussi a été rappelé. Il n'était pas malade. Est-ce que la parole de Dieu retentit à nos oreilles dans ces temps que nous sommes? Est-ce qu'on attend la voix du Seigneur? Est-ce qu'on entend sa voix dans sa parole? Et comment entendre sa voix? Sa parole est très simple. Aimez-vous les uns les autres. Aimez, partagez. Et vivons dans mon frère et ma soeur l'image de Jésus. Que l'amour résonne. Que l'amour rayonne à nous, qu'on puisse être franchement des exemples de vie, d'amour, et qu'on retrouve la joie de Dieu. Je when God loves somebody, God will use you.
He didn't say the Muslim. He said, when God loves you, God will use you. What does that mean? Ça veut dire, parce que dans le Coran, il dit, ils penseront par ailleurs sur vous. Si vous aidez Allah, en retour, il va vous aider. Donc maintenant, on va aider le Seigneur pour le créateur. Mais quand vous leur servez, ça a été créé tout à l'heure. C'est comme si tout à l'heure, on vous le savez. Il y a des passages bibliques, comme il y a des passages coraniques qui nous disent que le jour du jugement dernier, il y a des gens qui vont se présenter devant le Seigneur. Rien de problème. On va là demander, Dieu m'a dit quoi? Quand j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas servi à manger. Quand j'avais soif, tu ne m'as pas servi à boire. Et la personne qui dit, au Seigneur, vous mangez aussi, vous tombez malade. Dieu m'a dit, quand ton frère était malade à l'hôpital, tu n'as pas été au voir. Si tu partais le mal, tu allais me trouver. Si tu lui donnes à manger, tu allais me trouver. Vous savez, pour que tu ne pas, quand tu es bien, il fait soit, tu te dis. C'était le cas de Dieu. Je n'ai jamais vu Georges passionné. Je n'ai jamais vu Georges en parlant avec qui que ce soit. Vraiment, moi, je n'ai jamais vu. On se voyait tout à la vie. Quand vous avez été encore à la vie, il était tout à la vie. J'ai même connu un Espagnol qui était tout avec vous-même. Une fois, je vous avais vu. Je m'a dit qu'il connaît Georges Coco. J'ai dit, monsieur, c'est mon frère. Le monsieur m'a dit, comme de moi, Georges est venu. Il est bon. Je suis à la recherche de ce monsieur pour le voir, pour lui annoncer la crise nouvelle. Mais je ne peux pas faire parce que je passe ce temps. Et puis que vous m'apportez dans le livre. C'est vrai. Alors, si moi je suis là aujourd'hui devant vous, je dois vous dire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, un musulman qui se trouve à une veillée chrétienne, surtout un imam. Comprenez bien la chose, comprenez bien la religion. Nous sommes des humains. Il faut arrêter d'être être humain. Parce qu'il y a la différence entre être humain et être humain. Être humain, il y a une différence. Chose que je veux pour moi. Bien vrai qu'on ne pratique pas la même religion, mais nous sommes des humains. Parce que dans la vie, on a des frères. Son frère de la religion, son frère de l'humanité. Il faut comprendre cela. Mais souvent, nous, on se trompe, on a la tendance de dire que non, étant musulman, je ne dois pas être là. Dans les États-Unis, ce n'est pas un pays musulman. Les États-Unis sont dominés par les chrétiens. Je vous assure. Tu ne veux pas collaborer avec cela? Il faut quitter le pays. Il faut être extrémiste pour nous combattre le pays. Nous sommes des humains. Ils nous laissent vivre ici. Ils collaborent avec nous, on porte ensemble. Et pendant ce temps, on est des quelle religion c'est? Il faut être humain. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, parce que l'on essaie d'être quoi? Human beings. God created us as human beings. But sometimes sit with yourself and think as a human. From there you will embrace everybody. Everybody, sisters, brothers, Christians, Jews, Catholics, whatever. It doesn't matter. Name it. Je vous fais bien entendu présenter mes condoléances les plus sincères à la famille épurée dont je fais part. Moi, ce que je veux dire, c'est que au lendemain du décès de Georges, mes amis et moi nous sommes précipités ici à Lyon pour voir, pour nous accueillir de nouvelles fraîches sur le terrain et voir aussi les circonstances dans lesquelles le funérail allait se dérouler. Et quand on est parti à Baltimore le lendemain, ma mère m'a appelé la Lyon. Elle m'appelle, elle me dit, Charles, on a une mauvaise nouvelle. Il dit, ah, maman, on me dit, je suis dans une mauvaise nouvelle. Elle me dit, c'est quoi? Elle me dit, non, comme c'est toi qui m'as appelé, dis pour toi. Elle me dit, non, on a un enfant qui est à Lyon, qui est décédé, et le comble, c'est moi qui ai eu la lourde responsabilité d'aller annoncer la nouvelle à sa mère. Elle me demande si je connais Georges. Elle dit, maman,
Quand on était petit, les gens venaient me rendre visite à la maison. Tu as remarqué chez moi, mes amis, les plus turbulents, mais lui était calme et ne parlait pas. Et de description en description, elle a crié et le téléphone s'est coupé. J'ouvre cette parenthèse pour vous dire simplement que Georges est mon frère. On a été élevé par nos mamans sans la présence de papa. Et c'est à Gamay, à Saint-Michel, que nous avons grandi. Et pour ceux qui connaissent Adamé, on n'a pas de jardin public, on n'a pas de parc, on n'a pas de piscine. C'est dans les rues que nos problèmes se réglaient. C'est dans les kiosques à café, dans les petits bars du quartier communément appelé Maquis, on passait le plus clair de nos temps sous l'influence de toutes les moralités dans leur diversité que je ne saurais définir ici. Mais malgré tout, Georges est resté un enfant sage. Georges ne s'était jamais battu. Georges n'avait jamais posé de problème à ta pauvre mère. Georges ne s'était jamais traité avec un autre chef du quartier. Mais tous le reconnaissaient pour une seule chose, une seule passion, la musique. Et c'est cette passion-là qui a renforcé nos liens. Car en fait, Georges, comme l'animateur l'a dit, il était mon professeur de musique. Leur cours était seulement qu'à 3 blocs de la loge, et tous les soirs, je descendais, sur cette petite villa sèche, et ensemble, on interprétait le morceau, le Kassav, il aimait bien, nous est parti, son alliance, Georges Kassav. Mais pour des raisons de corps, on s'est séparés, plus tard, on s'est retrouvés aux États-Unis, et pas de période visite, à part du mort, j'en étais autant. Mais ces dernières années, à cause de la naissance de sa fille chérie, vraiment, il avait pris un feu. Mais décembre dernier, Georges m'a appelé et m'a dit « Charles, le 30 juin passé, c'est avec toi. » J'étais en bon. À chaque fois que l'annonce en arrivait, c'était un petit événement heureux chez nous. Donc j'ai dit à tous mes amis, on attendait. Et pour confirmer même son arrivée, il m'a même dit de lui donner la liste de tout ce dont j'avais besoin pour qu'il puisse m'amener. Donc je vais lui rappeler pour la liste, de me rappeler le lendemain. Et quand il m'avait rappelé dans le début pour sa fille, j'étais occupé à réparer une machine. Mais dès qu'elle était bloquée, pour regarder sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu son nom. J'ai dit, mon d'accord, je vais l'appeler après. De toute façon, j'avais pas la liste. Mais j'ai dit, je crois que c'était la plus mauvaise décision de ma vie. Car j'étais loin de m'imaginer que c'était la dernière fois que j'allais voir le nom de mon frère s'illuminer sur mon petit écran de téléphone. Parce que quelques heures plus tard, on m'a fait me dire qu'il était dans le coma. J'étais un peu choqué, mais après je me suis retenu. Tel que je le connais, je me suis dit que, ok, le 31, on aura un bon sujet de conversation. Parce que quand il va venir, je sais que c'est dans une ambiance de gaieté exclusive qui va nous expliquer les circonstances de ce coma. Donc moi j'attendais ça. Mais cet espoir-là s'est dissipé quand je reçois un dernier coup de fil qui me dit non, que mon frère est parti. Bon. En tout cas, c'est dur pour nous, je ne serai pas long, mais la situation de Georges, pour nous, c'est un drame. Mais en même temps, c'est quelque chose de nouveau, parce que je vais apprendre, pour la première fois, apprendre à marcher seul à New York. Et ça, là, ça torture mon esprit, ça torture mon état moral. Mais, grâce à vous, à autant que nous sommes ici, chacun une petite histoire, je dis à Georges. Et Georges avait peur de la tristesse, il n'avait pas été triste. C'est pour cela qu'il a tout fait pour avoir des relations avec chacun, parce que tôt ou tard, comme je l'avais dit sur les antennes, tôt ou tard, il savait que cette tristesse va se poser à lui. Et quand ça va venir, il comptait, il a décidé de compter sur nous, on soit là. Briller. Donc je vous remercie parce que je suis sûr que vous êtes ici ce soir pour prier par votre présence, pour prier par votre cœur et pour prier par votre action. Merci du courage à ma petite soeur, du courage à mon beau-frère, du courage à notre belle-soeur. Et ta fille, ce n'est pas sûr, nous sommes avec elle. Merci. Merci beaucoup, cher. Please put your hands together. This is
She's American. And she is one of your daughters. The mic is yours. Hello. My name is April Allah. I'm the daughter of Paul Allah, and I am the goddaughter of Godfather George Cola. My earliest memories are with Godfather George. And they are very important to me, and they always will be. He was there for me since the beginning, with so much support and love that at one point I thought he was my real father. That's how much he was there for me. There for me to the point that young me that he was my actual father. He was there for birthdays, and if he could not, he would call for every holiday and every birthday, and we would share everything. And looking back at those moments and all those memories, I really think that love, support, and presence that I did not get from some of my own. Godfather George would go out his way for me and for those that he loved. And it shows. It shows by the people that are here today and those that called to give their condolences. Before I could remember when our apartment caught on fire and we lost a lot, Godfather George came and brought us clothes and other items for us. That's how much he cared for us. He considered me his own daughter, which speaks volumes of his compassion. When I was facing my own demons to become the person I'm trying to be today, to treat others how I want to be treated, being the race. Being the ray of sunshine to those that cross the path in me, that is what I learned from my Godfather. I unfortunately lost sight of who had taught me those, who have taught me this love. He would have fought those demons with me if I just asked. However, I was not fully grateful, or at least I did not fully comprehend how can someone love me. I did not fully comprehend how can someone love me so much to call me their own, to check up on me, be there for birthdays, graduations, and etc., no matter what. But I now really know that it was the act of love, and it was just normal for Godfather George. Estella struggled for 3 years with French because God knows I struggled with French. If I merely called and asked, my Godfather George would have been so delighted to teach me. He loved Chantal and I so much and considers us sisters. So to my dear Chantal, your father cared for you so much and it constantly showed. He would have given you the world if he had more time. But the memories, sadness, and warmth that everyone in this room has with your father will always carry on and will always surround you. So to leave off to everyone, Godfather George would want everyone to know how much you meant to him. And I think he would want you to care for others like he cared for others, for you, everyone. His impact was great because we all would not be here today. So please take that into consideration. Also, personally, I want you guys to be grateful for the people around you because I know I did not. And if you miss someone, even if you and them are not on the same or the best of terms, just tell them that you love them or how much they mean to you. Because one day you will only be a memory for some people, so make sure to be part of the good memory. Life is short, but love is forever. Thank you.
Ivoire TV. Ivoire TV.